On trouve le champion antique qui va tout faire pour conserver sa couronne. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour que nous assistions à un super match. Un mot, Pierre, sur deux éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Oui, ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Thank you. Enjoy the game. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Oui, avec un public qui a répondu présent. Voici la composition de l'équipe à domicile. Adjé qui frappe. Cristiano. Le ballon pour Adjé. Cristiano Ronaldo. Ils reprennent possession du ballon. On écarte le jeu. Ouais, il avait senti. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Alexandro. De Rossi. Le ballon pour Adji. Quand on parle d'Adji, on ne peut pas ne pas évoquer l'année 89. Allez, champion de Roumanie. Pour la troisième fois consécutive, je sais que tu suis beaucoup de championnat de Roumanie. Très bien. Vice-champion d'Europe, surtout avec le Steaua Bucarest. Très bien. Certes, la défaite 4-0 face à Milan en finale, mais... Moins bien. Vice-champion d'Europe, quand même. Pas mal. Barzagli. De Rossi. Owen à la récupération. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. De Rossi. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Et ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. Ouais, t'as vu comme c'est cruel parfois le fait de balle. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. On va mettre ça là. Eriksen. Ah, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. On s'approche du but. Ah, il est un petit peu pris là quand même. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Et ce contre qui est stoppé. Christian Eriksen. Alors le ballon est perdu. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Michael Owen sur ce ballon. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. C'est Eden Hazard qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action avec un tir. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà, on revient au point de départ en fait. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des Tourans. Un but partout, les deux équipes dos à dos. De Rossi. Pour Ibrahimovic. Ah, bien vu de la part de Hamzik. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Hamzik. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ouais, la bonne passe en profondeur. Bien vu.
Ah, bon ballon pour Eden Hazard. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pour les supporters adverses, du coup. Ah, la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu. Cristiano Ronaldo. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, le but ! Il y est ! Pour le plus grand bonheur des supporters, regarde-moi ça. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Paul Scholes. L'année 2002-2003 est assez révélatrice du talent de Paul Scholes. Il était très fort au milieu de terrain. Allez, il peut égaliser là. En retrait dans l'axe dangereux. Et ça file en corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bon, sans grand danger finalement. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Mohamed Salah, Paul Pogba. Interception de Barzagli. Marek Hamšík. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Un vilain passe directement à l'adversaire. Mohamed Salah. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et avec ce deuxième but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Allez, l'occasion de réduire l'écart. Oh oui ! C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face-à-face avec le gardien. Et 3 buts à 2 au score. Quel match. Christian Eriksen. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Cristiano Ronaldo qui frappe. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Ouais, ça fait but à la limite de ressortir. Ouais, mais on voit bien sur le ralenti que le ballon touche le poteau et qu'au final ça rentre. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Adji, la récupération de ce ballon. De Rossi. Et Ibrahimovic. On est dans une phase de conservation du ball en attendant l'ouverture. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Le ballon pour Owen. Ibrahimovic qui frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bienvenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Kanté. Alexandro. Eden Hazard. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Oh, le gris-gris de Pogba. La frappe de Cristiano Ronaldo. Le but de Cristiano Ronaldo. Ah, l'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd. Là. Il n'y a même plus de match. Quoi. Le match est déjà plié à la mi-temps. Hein. C'est mieux plié que dans l'armoire. C'est la mi-temps et c'est quand même assez fou d'avoir vu 7 buts en 45 minutes. 5 buts à 2. Incroyable. Allez, un petit mot sur la première période livrée. Espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Kanté qui intercepte. Attention, il y va tout seul. Cristiano Ronaldo qui prend la frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Corner à présent.
Ah, ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Changement tactique pour les visiteurs qui vont, semble-t-il, privilégier le hors-jeu. Ouais, c'est une tactique payante et parfois décourageante pour l'adversaire, mais enfin attention, il faut bien la maîtriser. Hein. Kanté. Le ballon pour Adji. Ouais, coup franc, bien sûr. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça... Et la frappe de Zlatan. Comment vont-ils le jouer, ce corner ? Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. L'arbitre qui avait une faute dans la surface et oui, c'est un pénalty. Ah, je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Bah là, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire « Bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. » Et il trompe le gardien sur ce pénalty. Ah, difficile de savoir ce qui va se passer maintenant, hein, ce score qui est désormais de 5 à 3. On a, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Et l'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer le hors-jeu. Une tactique qui peut s'avérer payante quand on joue à l'extérieur. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Marek Hamzik. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Et Ibrahimovic, il va pouvoir adresser un centre. Hamzé, la frappe. Oh, magnifique, le gardien, le sauvetage. On va peut-être assister à une contre-attaque. Christian Eriksen vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Adji, la récupération de ce ballon. Zlatan. Oh, la belle occasion. Oh, la belle occasion pour Zlatan. Ouais, il repousse, ça joue. Attention, ça peut être dangereux. Ronaldo. De Rossi. Pour Ibrahimovic. Adji, la récupération de ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ah, le ballon qui file jusqu'au gardien. Et la contre-attaque qui se poursuit. Les 20 dernières minutes. Hein, nous y sommes avec Hugues. Paul Scholes. Milan Skriniar. Oh, il va filer au but. Oh, la belle parade du gardien, Pierre. Ouais, c'est lui qui remporte ce duel finalement. Sadio Mané. Hulk, Paul Scholes, avec Hulk, Timo Werner, Eriksen. Oui, il a bien lu le jeu, ballon intercepté. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, il prend ce ballon dans la surface. Et la voilà, la frappe.
Cristiano. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Avec Hulk. Allez, peut-être une bonne occasion. Christian Eriksen. Eriksen. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pogba. Avec un tir. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Willian. Willian, bien joué dans l'espace. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Le ballon sort en corner. Le corner d'Eriksen, c'est en pleine surface. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Eriksen, il permet son tir. Et le but signé Christian Eriksen. Le gardien qui doit s'incliner à nouveau. Et en plus, le pire, c'est qu'on a l'impression que ça ne s'arrange pas au fil des minutes. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. On va admirer la technique. Oui, alors la classe, et puis alors sans problème. Hein. Tout dans le velours. Ils auraient pu revenir dans la course avec ce but, pourquoi pas. La petite louche là pour tenter d'alerter Willian. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Alexandro. Paul Scholes. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Et le champion, Cristiano Ronaldo.